C'est étonnant, non? Nous sommes le tribunal dont on parle au journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames, avec une voix d'innocente. Tout le monde, il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous fassiez à table. Pas question de mentir. Oh non! Pas moyen de s'en sortir. Oh non! Y a vraiment rien de pire. Les flamands, les L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui le docteur Gérard Zwang, qui est inculpé d'infraction aux lois sur la durée maximale du travail et de cumul de fonctions, de subversion et de désinformation, d'atteinte à la Constitution et de profanation de lieux de culte, car il a écrit sur le sexe de la femme. La société française va maintenant requérir contre vous, docteur Zwang. Et attendez-vous à recevoir les foudres, j'ai bien dit les foudres, du procureur général de la République des proches françaises. C'est polonais, quel rythme! Française, français, belge, belge, névropathe, névrosé, sexopathe, sexe au genou. Mon président, ma bête. Mon petit barreau poilu. Mesdames et messieurs les jurés. Public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou. Salaud. Monsieur le procureur, nous vous écoutons, nous vous attendons. Je suis démoli là. Il y a... Oh, vous, ça suffit. Il y a longtemps, mesdames et messieurs les jurés, que je guettais une bonne occasion pour cesser de parler de sexe un jour dans mes réquisitoires. Eh bien, cette occasion est venue. La seule présence en ces lieux d'un trou du colloque patenté, pas tentant non plus, a relégué en moi toute velléité d'exhiber ici mes moindres pulsions zigounettophiles ou piloupileuses. Le sexologue, mesdames et messieurs les jurés, est à l'amour ce que le péage est aux autoroutes. Supprimons le péage, ça ne nous empêchera pas de rouler. Supprimons le sexologue, ça ne nous empêchera pas de baiser. L'amour, monsieur Zwang, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font et à partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. Ou bien alors, parlons de l'amour, oui, mais sur un ton plus noble, pas sous Birou la niaise. Débarrassons-nous pour un temps de l'étouffante enveloppe charnelle où s'ébroue sans répit la bête ignominieuse aux pulsions innommables dont l'impérieux désir jamais assouvi attise de son souffle obscène la flamme sacrée de l'idylle tendre dont il ne reste rien que ce tison brandi qui s'enfonce en enfer avant que ne s'y noie son éphémère extase qui nous laisse avachis sur ces lits de misère où les cœurs ne jouent plus qu'à battre sans vibrer pour pomper l'air vicié mécaniquement des hôtels insalubres où la viande a vaincu l'amour. Ad majorem Dei gloriam. Pour la plus grande gloire de Dieu, mes bien chers frères, arrête, portons arrête. Ensemble vers d'autres cimes notre quête de l'amour. Laissons Gérard Zwang et le grand singe cynocéphale du zoo de Vincennes chercher la petite bête sous les poils de la grosse. Et penchons-nous sur l'amour avec un A aussi majuscule qu'un quatrain de Ronsard dans le cou de Cassandre. Car l'amour en son temps eut ses chantres. Avant que de sombrer dans la triperie, et la parapsychologie de latrine, où Freud et vous l'avez cloué, monsieur Zwang. Je dois dire que, comme mauvaise foi, je m'étonne parfois. Dieu merci avant vous, avant cette ère de matérialisme corrompu où la main de l'homme ne prend plus que son pied,
Avant vous et vos semblables, et les écrivains de pissotières qui vous suivent, la queue sous le bras, il y eut Shakespeare, il y eut Racine, il y eut Aragon, et même Jean Genet, qui a toujours su faire éclore les plus fragiles pervenches sous la frange et sous la boue de ses turpitudes. Roméo, t'as jamais lu Jean Genet, connard ? Roméo et Juliette, Tristan et Iseut, Porgy and Bess, Laurel et Hardy, ah ! Ah, Roméo et Juliette, en voici deux qui surent s'aimer sans le secours des sexologues, sans qu'il fût jamais besoin de leur disséquer le Kama Sutra ou de leur raconter les aventures de Cunilingus au pays des cramouilles. Ah, petits enfants de France qui m'écoutez, vous êtes gonflés. Petits enfants, avant que ne vous souillent les apologues de la chair dans les facultés calçonnières de vos lendemains sans amour, laissez-moi vous conter la belle et sombre histoire de Roméo et Juliette. Car Roméo et Juliette, c'est avant tout un drame atroce. Personnellement, ça me fait rire, mais c'est nerveux. Tous les drames atroces me font rire. Je viens de perdre la plupart de mes enfants dans un accident d'autocar. J'en ris encore. L'histoire de Roméo Roux et de Juliette Combalusier a fait l'objet d'un drame en 5 actes de William Shakespeare. Mais on peut raisonnablement douter de la véracité des faits tels que nous les rapporte cet auteur anglais, dont on sait fort peu de choses. En effet, si l'on connaît avec précision la date de la mort de Shakespeare, on ne sait pas s'il est né. Alors qu'Adolf Hitler, par exemple, c'est le contraire. Là s'arrête d'ailleurs la comparaison entre ces deux hommes. Autant Shakespeare était bon et respecté de tous, autant Hitler était mauvais et respecté de tous également. Aujourd'hui encore, malgré l'évolution des mœurs et la libération de l'homme grâce à l'autoroute à 4 voies et au stérilet inoxydable de type pince-mi, pince-moi, sont dans l'utérus, nombre de nos contemporains parlent encore d'Adolf Hitler en termes discourtois, voire hostiles. Alors que quand on demande à brûle-pourpoint à ces mêmes personnes ce qui leur déplaît le plus chez Hitler, elles sont généralement incapables de préciser si c'est le peintre ou l'écrivain. La place qui m'est impartie ici entre la péroraison psychoanalytique du Massif Central et la traditionnelle minute d'expression ibérique des ballets de Lisbonne. Avec un ballet. Oui. Cette place donc ne m'autorise pas, hélas, à vous narrer par le menu les détails douloureux du drame atroce de Roméo de Lafont et de Juliette Jacob. En résumé, on peut dire que l'action se situe en Vénétie avant la mort de Shakespeare. Juliette Rivoire et Roméo Carré s'aiment éperdument d'un amour indestructible, éperdu, d'une intensité inimaginable. Si ça avait été du vent, on aurait dit d'une intensité de force 8 à 9 Beaufort, mais justement, c'était pas du vent. Ils s'aimaient tant que quand Roméo prenait froid, Juliette toussait. Quand Juliette avait le cancer du genou, Roméo se faisait amputer la jambe. Quand Roméo gagnait le Tour de France, Juliette endossait le maillot jaune. Il gagnait rarement le Tour de France. Essayez avec une seule patte, vous verrez. Bref, c'était un amour ardent et majuscule, mais la haine qui opposait leurs familles réciproques, les Montacu et les Tanculets, était tout aussi incommensurable, comme nous le montre la terrible scène 2 du premier acte de la pièce de Monsieur Shakespeare, dans laquelle Simone de Rivoire, la mère de Juliette, exprime à sa fille son opposition formelle à l'union des deux jeunes gens. C'est la mère qui parle. My living room, moi vivante. My living room, thou shalt not goosey-goosey with that boy. Moi vivante, tu ne coucheras pas avec ce garçon. Even in pot, même en copain. Ce à quoi la malheureuse Juliette, au risque de se fâcher à tout jamais avec sa famille adorée, ne peut que répondre par ce cri « And my bottom, is it some chicken ?»« Et mon cul, c'est du poulet ?» La mère « But God tripod myself. » »« Mais Dieu me bénisse. » « Juliette, my dear, thou should have known that Capulet don't copulate. » »« Tu devrais savoir qu'on ne baisse pas avec les Capulets. » Juliette, you know what they say to you, the Capulet? Tu sais ce qu'il te dit, les Capulets? Oh, drame atroce de l'amour impossible, oh, douleur cruelle qui te fit périr, Juliette, car la pauvre biche sut dès cet instant qu'elle allait mourir. Oui, la pauvre biche le sait. Yes, bambinose. Tu es honte.
Tout le monde connaît la triste histoire de ce poète africain lisant au fronton d'une pharmacie homéopathie et s'écriant « Ah, homéopathie, pauvre Juliette !» C'est pas de moi. Merdas, merdoum et omnia merdas. Ah, Barbara, quelle connerie la guerre, dit Roméo, en apprenant le suicide de Juliette le jour même à l'heure du déjeuner. Bonjour, Juliette de Monaco n'est plus. Il fallait jouer le 6, le 17 et le 3. Bonjour. Désespéré, Roméo se laisse aller à toutes les débauches pour tenter d'oublier. De déchéance en déchéance, il s'adonna d'abord à la boisson, puis aux drogues douces, puis aux drogues dures, devenant tour à tour voleur d'enfants, trafiquant d'héroïne et finalement abonné au journal Le Monde. Donc Gérard Zmang est coupable, but his Portuguese will convince you mieux que moi. C'est étonnant, non ?